Non, pour grand travail yo fait dans initiative ça qui vient une initiative nationale canal ça n'a pas suivi de nous tout pour baptiser canal de la dignité dans même sens ça dans ce solidarité dans ce combat que canal la représente pour nous nous gagnons l'état qui te vient chita avec comité qui te offre l'état et comité avec toute population bien sûr assistance technique et financière. Bon, nous ne connaissons pas pour financière là, mais technique là, nous gagnons des techniciens qui font partie de l'État et des techniciens tout, qui sont dans une zone là, qui baillent tête pour venir aider nous. Je ne dis pas tête, mais nous, même nous, l'État fait appel avec eux, mais qui sont trop contents de venir faire travail là. Nous voyons avant tout comme des citoyens haïtiens. Citoyens haïtiens qui comprennent. Nous souhaitons, c'est notre dimension, ça me mettait, nous souhaitons, c'est là que vous êtes vraiment. Citoyens, c'est ça me sentit là, Kayo. Citoyens haïtiens qui comprennent que là, ce travail n'a fait pour nous défendre la patrie. Et nous ne pouvons pas faire nos divisions. Il faut que nous tous mettions ensemble connaissance par contre. Nous avons une équipe technique qui est déjà là qui travaille pour nous, que nous toujours féliciter, remercier pour la qualité de travail que vous faites. Mais comme nous avons des experts, des gens plus expérimentés, et l'État, son voisin, l'État travaille. L'État est présent avec nous. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que ça, au contraire, c'est plein. Nous avons plein de côté l'État. L'État voyait représentant. Nous recevons aujourd'hui, il y a une réunion avec l'équipe technique qui travaille sur le canal. Là, c'était une réunion cordiale. Ils ont venu faire une visite des lieux, ils ont observé le travail qui prend le fait. Aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas parler en pile parce que après l'observation, ils ont parlé chita encore. Où ils ont défini comment ils ont avancé. Mais selon je moi, et le professeur Adamus a secoué tête positivement. Moi, je vois que monsieur Banou était là, il n'a pas fait bon besoin. Même si il a toujours, pas que je n'ai pas fait, il a toujours une correction qui peut porter, il a toujours une barre qui peut faire. Mais je me comprends selon la question que vous posez, je vois des questions que Pierre de nous répondre. Nous sommes sûrs que nous sommes sur la bonne voie. N'a pas mais que. Monsieur agronome, Marc-Edouard, il faut y parler avec la presse pour dire compréhension de questions et comment nous prenons l'avancée. Définir, j'ai envie de vous garder passé, mais nous t'ai dit en tant que citoyen, il faut qu'on devine garder quand même. Donc c'est ça qui est fait et nous ne pouvons pas trop parler avec nous. C'est parce que toutes conditions sont réunies. Donc là, nous retournons au comité, nous chita avec l'équipe technique là. Et nous sommes capables de dire, Madame Moudin dit, c'est des rencontres très cordiales que vous avez. Et ingénieurs, nous félicitons parce que vous parlez, vous défendez ça, vous faites. Maintenant, nous-mêmes, nous déposons en pile question pour nous comprendre qui gens que vous arrivez dans le niveau ça. Maintenant, nous venons sur le terrain, nous regardons, nous avons tout ça qui fait. Mais on connaît ces parties visibles. Que nous gagnons. Donc c'est une raison qui fait nous déposer un peu de questions et ingénieurs, ils ont répondu nous effectivement. Nous-mêmes, nous calchita pour que nous analysions ça nous est. Et après-midi, nous avons une dernière rencontre qui a bien avec le comité et puis l'équipe ingénieure à plateau pour nous capables de dire compréhension nous. Alors, première impression nous de ça nous est. Et je pense que pour la presse, nous avons toujours gagné primeur, nous avons toujours gagné information qui gagne. Je ne sais pas si c'est après-midi ou bien demain. Là que nous finissons faire rencontre à eux et que nous sommes capables de dire. Ok, merci. Mais nous finissons de regarder là. Comment nous regarder là d'abord? Et c'est ça, nous dit, nous constatons, même avec tout le monde, nous posons des questions. Mais nous-mêmes, comme nous avons des yeux qui ont été avisés, c'est ça que fait, nous avons le chita pour que nous gardions ensemble ça nous analysons et puis après, nous sommes capables de dire. On va partager aussi grâce à ça nous parler. Comment vous avisez, qui fait tout le cadre de la guerre? Juste une motion, je pense que collègues bien répondent. Nous-mêmes, nous visiter le travail là. D'abord, nous féliciter tout courage, tout ingénieur, tout boss qui participe là-dedans. Et puis, il y a un travail pour la presse comprendre. Nous-mêmes, nous venons là, c'est pour nous mettre tête nous ensemble avec ingénieurs, pour nous comment pour nous coller tête nous avec eux pour travailler là qu'à finir. Nous t'avons vu la fois dernière, peuple a découvert la situation. La fois dernière, qu'on y a nous ensemble, et mes ingénieurs, j'ai l'impression que tu es rencontré avec l'équipe technique. Peuple a découvert derrière nous. Nous-mêmes, étant donné que nous avons entendu avec le comité, en tant que technicien,
C'est ça que fait, après, nous retournons à Port-au-Prince, nous n'avons pas aucun avis sur ça que nous devons sur le canal. Parce que les pas professionnels pour que nous devions là pour contre nous, sans comité en bataille avec nous, sans ingénieur en bataille avec nous, et puis pour nous taper un avis technique sur un ouvrage qui fait. Et là, je dis, nous discutons avec monsieur Damio, ingénieur, et nous comprenons tout ça que fait. Ça veut dire que je dis, après, c'est un bon, pas dire harmonie, mais plus ou moins bon attente pour que le comité accompagne nous avec tout ingénieur. Donc, nous pas dit que nous découvrons et l'un des venus, nous dire tout, c'était en tant que citoyen que nous définis, parce que nous pas de gain pour nous faire avis technique sur œuvre qui fait pendant que le monde qui fait œuvre n'est pas là pour nous parler avec nous. Donc, il y a besoin de matériel sérieux. Qui est l'état de matériel pour la continuer? Et nous sommes dit tout à l'heure, nous allons réunir l'équipe technique qui sont pour présent, nous allons réunir pour nous analyser ça nous. Après, nous allons nous rencontrer avec le comité et puis l'ingénieur pour nous définir effectivement l'assistance qui s'allie tout ça. Comme vous avez dit, nous sommes municipaux, qui a travaillé pour la population pour travailler là? Qui a travaillé pour la population pour travailler là continuer? Bon, vous connaissez les municipaux pour découvrir des mots toujours. Nous sommes journalistes, nous faisons un job pour nous. Qui faiblesse comme qui a avisé nous le canal la guerre? Bon, réponse nous, c'est toujours dans la même logique là. Moi là comme citoyen haïtien, moi là comme mon grand bassin qui dit mon grand bassin, c'est mon voisin. Comme collègue moi Sodia, directeur, en fait, nous, ouais, avec Dieu, nous parlons chita avec le comité, nous parlons chita avec la commission technique, là, ingénieur, pour nous définir ensemble, dans une tête collée, comment pour nous avancer. Merci. Nous ne parlons pas de l'ingénieur qui est là déjà. Mes amis, ingénieur Claude malade. Et sincèrement, l'État a nous une conversation cordiale, cœur ouvert pour dialoguer entre techniciens et nous très ouverts non seulement entre techniciens, mais avant tout entre haïtiens. Parce que là, il n'y a pas de politique qui t'a parlé, c'était technique qui t'a parlé. Nous entendons ce point ça là. Et comme vous et Vélez sont fait là, après on a chuté ensemble, ce que vous nous faites, on a fait ensemble. C'est pas l'autre qui vient de nous, ça n'a pas de débat sur lui. Par exemple, nous avons l'autre, c'est le fond de l'autre, on a fait ensemble. Pour les gens qui ont correction, on a fait correction et puis on a avancé ensemble. Ok, nous avons affiché à moi mon plusieurs ingénieurs qui sont sortis, mais l'aime bien garder nos ingénieurs. Ingénieur Claude, oui. Le plan qui est affiché là, le travail là, nous va remarquer. Le tableau là, le graphique là, c'est parce que nous qui est affiché, c'est nous ingénieurs qui sont affichés, qui fait travail, qui fait étude dans ce soir là. Donc, tout nous qui est, par exemple, on peut acheter Emmanuel, qui est en train là, voilà. Tout travail qui fait, tout plan qui fait, c'est acheter Emmanuel qui fait. Ou après, non pas avec un ingénieur Cléomé, c'est une question principale pour nous faire étude là. Et puis tout notre staff ou est, nous sommes ensemble pour nous faire étude ensemble. Attention, vous prenez un engagement, vous ne dites pas pression, vous venez voir, vous travaillez là. Non, on n'est pas pression. Tout ce que nous faire. Ce n'est pas pression. Nous ne pas pression dans le même monde. Écoutez. Si nous allons faire ensemble, l'État vient accompagner nous encore mieux et tuer tout cœur. L'État vient Il va pas affiché. Reste équipe, on fait étude, nous faisons étude. Après, nous souper après rencontre, pour nous rencontrer, après évaluation, pour nous relayer la presse encore, pour nous faire la presse qu'on est. Qui ça qui sorti dans l'assistance, l'État est offert nous, que offert nous à travers les haïtiens techniciens qui viennent travailler avec nous. Merci. Merci à nous. Il faut saluer tout journaliste depuis 9 août qui a pris l'énergie. Pour rendre que le travail ça nous est arrivé dans la dimension ça. Et nous-mêmes, nous sommes dans la dit, nous c'est nous qui initié l'activité ça, qui avons une décision pour que nous devons péter quand arrive un massacre pour la souveraineté des haïtiens respectée. Je dis à depuis 30 août, nous sommes 21
novembre 2023, et c'est jeudi. Donc, nous avons un groupe de personnes dans l'État qui viennent. Donc, accompagnement technique. Nous-mêmes, attaquer les représentants paysans, nous-mêmes, attaquer les gens qui sont dans la commission de gestion, nous-mêmes, attaquer les gens qui travaillent pour faire que le pouvoir arrive dans le plein de nous recevra la délégation avec un pile d'inquiétude. Parce que nous connaissons que l'État nous gagne qui modèle l'État qui est lié. Nous connaissons l'État coquin, son État mesdames, son État qui parfois n'a une solution durable, son État qui toujours comprendre qu'il y a un cas de cosmétique qui n'a pas besoin. Je veux dire, nous pensons que nous-mêmes, en tant que responsables, donc nous, petite population, nous petit paysan, restez avec vous, bien calé, mettez-vous sous quatre pieds militaires. Et nous demandons diaspora pour continuer à faire solidarité avec nous. Parce que jusqu'à date que nous là, nous n'avons pas de confiance dans l'État. Ça. Et aujourd'hui, on a dit à travers un note que le ministère de l'Agriculture était dehors. Jusqu'à présent, l'État n'a jamais bien objectif pour construire le canal d'irrigation. Et pour ça, vous techniciens. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui forçons. Nous voulons une nouvelle population comme ça. C'est nous qui forçons pour dire à vos techniciens. C'est nous qui forçons pour faire des déclarations dans l'OEA. C'est nous qui forçons pour faire des déclarations dans l'ONU. Excusez-nous. Et faut que nous commettions deux bouts. Il faut que nous commettions deux bien militaires pour continuer à forcer, non seulement pour nous construire. C'est là, et pour nous faire un système d'irrigation dans plein Maribao. Je dis à plein Maribao, pas que seulement pour le tête canal là. Nous même paysans dans plein Maribao, qui constituent une commission pour travailler sur un système d'irrigation dans plein Maribao, nous disent. Ça là, c'est un élément. C'est le plus petit élément qui gagne dans la question d'irrigation dans plein Maribao. Parce que les routes agricoles, les canaux secondaires, les rivières de l'eau qui m'ont non seulement drainé, qui m'ont non seulement curé, qui m'ont des digues pour qu'ils fassent tout pour nous camper de l'eau. Qui compte d'où ça plané? D'où ça plané? Dans les paysans, ils plané dans la population haïtienne, de qui m'ont l'État qui m'a n'a pas rappelé l'État qui m'a son l'État qui est au service oligarchia, son l'État qui est au service international. Là. C'est pour eux, nous connaissons internationalement par groupe plein. Pour faire que le pays d'Haïti sorte une misère salée là. Peut-être que ça n'a pas de plan pour faire que Haïti vienne au pays de production. Et je vous rappelle, la politique internationale n'a pas appliqué sur Haïti, c'est politique de consommation au lieu de politique de production. C'est ça qui fait qu'il y a réduit toute rivière nous gagnons pour empêcher que de l'eau coule dans la terre pour faire manger.